Bon, allez, je crois qu'on atterrit. Bah, on atterrit pour la deuxième fois, du coup. Je me demande si, pour le coup, si... alors, je pense qu'on devrait aller là-bas en face, là-bas au-dessus. Je me demande si, pour le coup, la planète est assez est procédurale ou bien pas. Donc, éventuellement, si on peut se remettre au même endroit que j'avais vu et... Ça y est. C'est écrase. Ben allons-y, hein, début de la mission. Allons-y, on va faire le protocole machin, comme ça on est bon. Alors, on m'avait dit qu'il était possible... Ah, on a gardé notre personnage par contre, ça c'est sympa. On m'avait dit que normalement, si je faisais un shift-click, je pouvais directement consommer. Je vais pas le faire parce qu'on... Bon, si, on pourrait. Pas shift click alors du coup? Non. On m'avait dit shift click, j'avais l'impression. Mash click? Non. Non, je peux pas le consommer directement. J'ai pas très bien compris. Alors, Vaé, est-ce que tu peux nous... What? J'ai pas trouvé de lobby dans Join a Game, mais je tente de rejoindre par Steam. Ouais, par Steam, ça devrait aller. Par Steam, ça devrait le faire. Puis qu'on a un jetpack, nous, quand on commence sur cette partie. Un ordinateur. Pourquoi pas. Un ordinateur, pourquoi pas. Alors, on va prendre l'outil de survie directement ici. Et on va pas directement... Et merci, œil de nuit. Un an. Eh bien, écoute, nous, ça va très très bien. Et toi, comment vas-tu? On va attendre, hein, voir s'il s'écrase quelque part. Pour le coup, on a notre module de survie qui est là, on a le wreckage qui est là, c'est pas français. Et ça, est-ce qu'on peut pas le miner? F pour monter dedans. Ouais, en fait, monter dedans, c'est juste avoir accès à l'inventaire, et rien de plus. Ça fait comme avec un jetpack, mais j'avoue. Mais forêt la roche, voilà. Alors dis-moi que tu vas arriver à nous rejoindre, parce que si tu n'arrives... Alors, trois fois que j'essaye, trois fois ça me dit « not retrieve server information ». Parce que si je recommence une partie pour que tu viennes avec, mais qu'au final tu viens pas avec, ça vaut pas la peine. Bah j'avoue. Alors... Va-t-il ou va-t-il pas nous rejoindre? En vrai, est-ce que je peux pas moi t'inviter dedans? Attendez, on va voir. Et c'est ça aussi, hein, apprendre à voir les jeux, comment ça se passe et tout. Invité dans le lobby. Tiens, je t'ai invité. Est-ce que ça change quelque chose? Je finis la tentative précédente et... J'ai accepté ton invitation. Par erreur ou pas? Oh non, pas par erreur. Ah, ça va. Ce serait dommage un accident comme ça. Hein? Quoi? Non, hein? Il fait déjà nuit! C'est une blague! Non, il est que 7h au matin, calme-toi. Non, il reste 7h avant le coucher du soleil. J'ai l'impression qu'il commence déjà à faire nuit. C'est moi? Il fait sombre tout d'un coup. On va prendre des petites pierres, comme ça, on en a besoin. Par contre, on n'a pas de... Cela fonctionne. Ah! Voilà, il voulait juste se faire prier un peu, se faire désirer un peu. Se faire inviter. C'est comme tous les garçons, il veut juste se faire désirer un petit peu les gens. Mais non, mais ça c'est un truc de nana, ça. C'est un truc de nana, bah, apparemment c'est un truc oui. De toi aussi, hein, j'ai envie de dire. La mais musique non. Va pas trop fort? Sur le live, les gens, la musique va pas trop fort? Alors... Attendez, je regarde juste. Ok. Je regardais juste c'était quoi comme petit message. Donc normalement maintenant c'est bon. Et il va atterrir où, le monsieur? C'est là qu'il atterrit sur une autre planète. J'avoue, ce serait énorme. Et en fait, en vrai, ça va pas le faire. Hein. Faut que tu viennes miner chez moi. J'arrive. Ah! On le voit s'écraser! On le voit s'écraser là-bas!
Dis, t'aurais pas pu t'écraser plus près que moi? Parce que... Je pouvais pas. T'es un peu de l'autre côté de la planète, là, hein. Hop là. Allez, hop là. On y va, on saute. Et 1, et 2... Attendez, il y a des corn dogs. Oh, petit hot dog, petite saucisse chaude. Ça ambiance. Et la musique du jeu, elle est jolie, hein. Alors, ce qu'on va absolument prendre, c'est ces petites feuilles-là, en attendant. Parce qu'on va en avoir besoin. T'as ramassé ce que t'avais dans ta capsule au lieu de courir Oui, j'avais une bouteille d'eau. Oh, t'as la même chose que nous en fait. Donc on va faire vite ça, on le connaît, PDA. Et alors en fait la. Open Inventory. Facile, facile. Et je crois que c'était par là qu'on devait aller en vrai. Hein. Allez, on est parti. On est parti. On va voir. Normalement c'est procédural. Normalement c'est censé être la même chose. Donc normalement, il y a un endroit où on va trouver un truc sympa. Alors normalement, c'est bête là. Je dis normalement parce que c'était le cas avant. N'attaque pas en journée. D'accord, très bien. Pourquoi pas? J'allais dire n'attaque pas en journée, mais... Okay, très bien. Bah, tout de suite un peu mieux quand on est deux, hein. Tiens, vas-y, je te laisse looter. Hop, on va ramasser la roche. Ça fait un peu de fer, je pense, ce truc-là. Et du fer, on va en avoir besoin de beaucoup. Bon, alors, tu ne frappes pas tout ce qui bouge, s'il te plaît? Promis. Attends un petit peu. Ok. C'était par là, on croyait? Ou alors c'était la montagne qu'il y avait là-bas? Hé hey! Mais le méchant, il me frappe! Ah ben d'accord. Peut-être que je peux un petit peu tirer dessus maintenant que c'est trop tard. Bon. Alors, position actuelle, hein. Bon, tant qu'à faire. J'ai mon stuff. Enfin, j'en ai beaucoup, mais... On t'es où? Ou peut-être parce que t'as tué un machin, maintenant c'est fini, et à tout le monde, on est... persona non grata de toute la race, c'est ça? Bravo. Bravo. Non, c'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute, ouais, c'est ça. C'est pas de ta faute, hein. Ah ouais, ils sont pas méchants. Si, pas méchants. Non, ils sont pas méchants. Bon, on va aller là-bas, il y a de l'eau là-bas. On avance par là. Votre arme, c'est un laser. Alors, c'est une première arme, celle-ci, qui te permet de faire trois options. Qui te permet de désassembler, qui te permet de te défendre et qui te permet de forer la roche. Par après, on va pouvoir avoir des objets... En fait, à chaque fois que tu l'utilises, ça utilise ici en bas la stamina. Et plus tard, on va avoir des armes un peu plus sympathiques. Et je crois d'ailleurs que pour Empyrion, il serait mieux que je me mette ici. Je pense que ce serait un petit peu plus mieux. Et je me demande si c'était pas... au pied de cette montagne-là qu'on voulait s'installer. Non? Ça vous dit pas quelque chose, ça, les gens? Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Semble, hein? Ça consomme plus de stamina, tu peux tirer à tout va. C'est vrai? Ils ont changé ça? Oh, ça m'ennuie. On avait passé tellement de temps à trouver cet endroit-là et on l'a perdu. Est-ce que c'était là-bas? Je me souviens plus sur la map où est-ce qu'il était. Non, il était plus bas. Il était là-bas, hein, non? Bon, en vrai, ça n'est quoi, on va faire les motos. Objectif, moto. Donc, ah oui, mais pour faire les motos, il faut... Ouais, non, pour faire les motos, il faut des niveaux. Donc, Donc, il faut miner. Ouais, il va falloir miner. Je me souviens plus sur mon autre sur l'autre partie si c'était ici et on avait la zone verte. Si c'était par là. Ok, on est bon, on est parti. Où est-ce qu'il est? Par là. New marker. Let's go. À ta gauche. Mais t'as une idée du nombre de fois que j'ai tourné entre le moment où je voulais demander, le moment où tu me l'as dit et autres? Regardez qu'ils sont mignons. Il y a même les petits bébés avec. Est-ce qu'on peut grimper dessus à un moment? Ce serait trop fort qu'on puisse faire des... Oh, regardez comme ils sont jolis. La texture de la peau est super sympa, je trouve.
Ce serait trop fort qu'on puisse à un moment me faire une selle et monter dessus. Ça ferait très Ark, vous allez me dire, mais ça pourrait être sympa. Mais Vae, il adore Ark. Oui. Donc on pourrait. Ouais, c'est bien Ark. C'est bien Ark. Juste les 50 premières heures, après les premières 50 premières heures. Oui, c'est ça, c'est le début qui est très très pénible. Moi j'adore ce jeu. Hein. Moi Ark, j'adore. Mais bon, trop long. Trop long. Consomme énergie bar. Tiens, on va consommer. Alors je sais toujours pas comment est-ce qu'on fait pour consommer, mais c'est pas grave, on va le faire à la méthode comme ça. Et le health kit, oui, parce que quelque part, on a quand même, on survit quand même à un crash. Hein. On le rappelle quand même, on s'est quand même écrasé de là-bas tout en haut. Donc on est un petit peu mal, hein. Un petit peu. Juste un tout petit peu. Alors, il y avait un pâté comme ça, mais on n'a pas pu le lire, hein, parce que ça a un peu été trop vite. J'ai découvert une nouvelle ressource. Oh, j'ai découvert un gisement. Oui, en vrai, on était là-bas quelque part. Si on a les gisements qui sont là, on était là-bas quelque part. Ce qui a pas... Ah mince, j'allais dire ce qui a pas mal, comme ça on va pouvoir directement prendre les minerais. Mais qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir la foreuse. Il nous faut la foreuse, oui. Et donc, on ne sera pas vers la foreuse. Suite. De suite, non. Il nous faut quelques levels, je crois. On faut suivre des trucs. T'es prêt? T'es où? C'est pas faux. Oh, des araignées! Au secours! Je sais pas où t'es. Je suis pas loin derrière. Ben écoute, il y a des araignées. Ah, t'y vas carrément, toi. Bah, tu me dis tuer, moi je tue, hein. Ouais? Qu'est-ce qui... Elles sont où? Elles sont où? Après, elle veut pas se battre. Peut-être parce qu'elle va mourir. Oh, vas-y, on l'a percé, presque fini. Oh, yeah. Une de morte. Deux de morte. Non, elle est pas morte. Arrête. Ça y est, elle est morte. C'est bon. Qui veut manger de la viande? Qui veut manger de la viande? Je fais le barbecue. Barbecue ce soir. Ah, on en a tué pas. On en a tué quelques-unes en fait. On en a tué quelques-unes. Alors par contre, je suis désolée. Ah! Je veux bien lire vos commentaires, mais s'ils sont trop grands comme ça, attendez la nuit qu'on n'ait pas grand-chose à faire. Parce que je peux pas lire comme ça en live. Ça y est, elle est morte. C'est bon. Qui n'est pas végétarien dans la salle? Que je lui prépare de la viande. Hein? Qui n'est pas végétarien? Un kebab d'araignée cale d'oreille. Ça peut être très très bon, hein. Ça peut être très très bon. Alors c'est ces bêtes là en fait que je voulais tuer. Mais pourquoi pas. Miner et pick up de la rox. En fait il m'en faudrait 5. Ah mais c'est ton cœur que j'entends. Pas. Oui, si c'est possible, oui, je suis bas en stamina. Ok d'accord, c'est toi. Très bien. Je vais aller chercher la fibre qu'il y a là. Tout ce qu'on en aura besoin. Et meurs. Ouais, en même temps il m'a tué hein, juste avant. Donc moi je dis, je prends ma revanche. Mais il loot rien en vrai. Il loot rien. Ah, il y a une épave là-bas à 500 mètres. En faisant une faction, vous partagez pas les XP, je crois. En faisant des factions. Ah, il faut peut-être faire un clan. Alors, humain. Créer. Attention, il y a un truc qui m'arrive dessus. Tu me le dis, hein. T'es là, hein. D'accord. Pas du tout là, en vrai. Si, si, je suis juste à côté. Dieu de mes 40 points de vie. Alors, mignon. Est-ce qu'on peut dire les mignons? Ouais. Définir. Abréviation. Ben, M-I-N. Ça me sent pas mal. Définir. Lins. C'est déjà pas mal. Est-ce que maintenant je peux modifier? Ah non, je vais modifier le nom. Et comment je fais pour ajouter quelqu'un dedans? Bon, viens ici. Que je peux faire... Ah oui, t'as plus de vie.
Sinon, je peux apply. Hein. Voilà. Candidat Vae. Candidat Vae. Moi, je dis que c'est bien un candidat Vae. Bon, maintenant, t'es membre. Normalement, t'es dedans. C'est bon? Bah, j'y crois. J'y crois? Vas-y, t'y crois alors, c'est bon. On y va. Je propose qu'on aille jusqu'à l'épave, déjà. Parce que l'épave, je l'avais certainement faite. Silicium, ouais. Deuxième gisement de silicium. Bon, on a déjà plus de gisements de silicium que la dernière fois. Ah non, c'est la même. Ok. Et dans 3 heures, il fait nuit. Nuit qu'on ne pourra, bien entendu, pas passer non plus. Et mais on se calme sur les gisements. Et en fait, il apparaît... Ah, mais c'est Vae qui découvre, c'est ça? Il y a une fois Linz découvre et une fois Vae découvre. J'ai pas fait attention. Je crois, oui. Ce qui serait plus ou moins logique. Par contre, j'imagine que si je loot quelque chose, tu peux pas le looter. Je suppose que... Ouais, c'est, ça doit être ça, oui. Ah. Où est-ce que... Il est. Il est là. Alors, minerai de fer, on prend. Ça, on prend. Ça, on prend. Composants, on prend. Les os, on va prendre. Les fibres, on prend. Les plantes, pour le moment, on va les laisser dedans. On va pas se charger avec ça, parce que de toute façon, on a un petit peu mieux à faire. Et notre base, elle était plus bas, je crois. Hein. Elle était plus bas. Où est-ce qu'il est, marqueur? Je me demande si on ne traversait pas ici. Bon, je vois pas de... Je ne vois pas ici de grosses montagnes dans lesquelles on avait, on aurait pu. Je me demande si elle n'est pas là-bas. Là-bas ? Si, là-bas il y en a une. À mon avis, ça doit être celle-là là-bas. Je pense. Je pense que ça doit être ça. En tout cas, c'est dans une montagne. Donc, minimum, c'est par là. Parce que là, je vois pas de montagne et ça me semble pas si loin que ça. Non, ça me semblait pas par là. Ça, il me semble que c'était plus par ici, quelque part. Non ? Les gens, sur le chat. Il y en a qui s'en souviennent ? Commence à faire froid. Tu es toujours bien ? Oui, oui. Dans ton... Je m'arrête dès que j'ai un problème de stamina. Ok. Dans ton inventaire, tu n'as pas des... T'as pas des soins ? Si. J'ai pas regardé ce qu'il fallait faire pour ancienne une quête ou quoi de début. On va attendre ça. On va attendre un petit peu de miam miam. Je me demande si c'était pas là-bas. Ah, y'a bloop bloop. Bloop bloop. Y'a bloop bloop. Bloop bloop. Bloop bloop. Ouais, je me demande. C'était là-bas. J'ai confiance. J'ai confiance. Et confiance, mon enfant. La confiance, il faut avoir confiance. C'est une bonne chose d'avoir confiance. Surtout pas aux inconnus. Moi, je dis que c'était là-bas. Et en vrai, on va s'éloigner des gisements. Donc, est-ce qu'on peut pas imaginer faire ce qu'on a besoin ici ? Régulateur de température, qu'est-ce qu'on a besoin ? Miner des cailloux. Est-ce qu'il y a des cailloux ici quelque part ? Oui, il y a des cailloux ! Minons des cailloux ! Voilà, avançons dans la quête, tout doucement. Voilà. Et mince, c'est pas des rocks, donc ça ne compte pas. C'est quoi ? Forêt de la forge. Là-bas, il y a un caillou. Et j'ai perdu Vae, hein, mais. Putain, je suis pas loin, hein. C'est vrai ? Ok, bah toi tu ne perds pas, c'est pas grave en vrai. C'est déjà ça. Oui, c'est ça. Ça y est, c'est bon. Moi j'ai fini cette quête là. The drill rocks will drop resources on the ground. However, if you don't pick them up quickly, they will disappear. Donc en fait, si on les ramasse pas, ben ça disparaît. On connaît. Tu crois qu'on peut.
Oh, on peut pas. Oh, c'est un scénarium! La libellule est un scénarium! Elle est tombée dans le sol! Elle est passée dans le sol. Non, mais tout va bien. Alors, je crois qu'il faut que j'harveste un truc pour la quête. T'en es où, toi, dans tes quêtes? Mais j'ai pas eu le temps de regarder en fait. Ok, bah, elles sont écrites en haut à droite, normalement. À condition de les avoir activées avant. Ben non, elles sont activées automatiquement, normalement. Moi, j'ai rien activé pour que C'est ça. quel solo, team, tuto? Je crois que je suis dans Robinson, en fait, quand tu atterris, il te le propose. Ah. D'accord. Et donc, en fait, tu n'as pas activé tes quêtes. Bah non. Bravo. Bon, en même temps, c'est pas grave. Ça n'a pas de grosse incidence sur la game. Enfin, sur la partie, du moins. Hop. Voilà. Juste regarder. Je veille un peu fort. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je dois récolter des trucs. Mais il me dit harvest, mais harvest quoi? J'ai beau récolter des trucs, ça n'a pas l'air de. Je crois que je dois récolter pour faire des barres d'énergie. Je dois récolter des fruits, des légumes ou des trucs dans le genre. Et ça me dit bien, là-bas, j'ai vraiment l'impression que c'était là-bas qu'on voulait faire notre base. J'aurais voulu ne pas m'éloigner trop des gisements pour faire tout, mais tant qu'on n'a pas. Ou alors on se remet dans les terres pour finir le tuto. On va attendre que notre stamina remonte. C'est la petite quiquette. Quoi? Bizarre ce que tu dis, hein. Fais attention à ce que tu racontes. Dans nos quêtes, on va aller voir ici. Tu as pas le protocole dans le tutoriel, le premier onglet, tu as pas Si, si, protocole Robinson? je les ai prises, je les ai activées. Ok. Nous sommes dans le monde de faire des cailloux. Plant protein is one of the main resources for food early in the plant. The small brown stick. Ah! C'est ça qu'il faut ramasser. Ah, oh, mais il n'y en a pas du tout ici en vrai. Faudrait qu'on repasse de l'autre côté. Bon, on va retourner de l'autre côté. Je suis pas certaine qu'il y a des saucisses chaudes par ici. Si c'est des plantes protéines, j'en avais trouvé dans l'eau. Dans l'eau? À quelques. Ouais, au bord. Enfin. On l'a non, mais j'en ai déjà vu dans l'eau. C'est pas trop loin du bord. Comme des roseaux qui dépassent. Après, il y en a d'autres Ouais. aussi. Qu'est-ce que Oui. tu fais? Hein? Tu animes une soirée, une rêve partie ou comment ça se passe? Non. range une fois ton arme Ouais. pour voir. Hein? Range ton arme une fois pour voir. Ok, reprends là. D'accord. Non, mais pourquoi pas, hein, tu fais ce que tu veux, hein, mais on dirait que t'animes une rêve partie en fait. Coordonnées que tu avais mis sur ton autre vidéo, moins 1854, moins 783. Ah, on va regarder ça. En fait, t'as le laser de ton arme qui part en l'air, enfin qui tourne dans tous les sens. Vers le haut, en vrai. Ah oui, donc c'est pas moi. C'est magique. C'est pas toi, c'est quand même pas nous. C'est quand même toi, hein. Alors, est-ce qu'on trouve rien, nous, hein, sur le bord comme ça? Là-bas! Non, ça là. Allez, on croise les doigts, je crois que c'en est un. Et plus de stamina! Mais il avance quand même, hein. C'est le truc qui ressemble à des noisettes dans l'inventaire? Ah, oui, si. Ça ressemble en fait à des grosses saucisses, des saucisses de hot dog, là, dans la Si, vraie vie. J'en ai trouvé, c'est bon. ah. Alors, distress signal earlier, it should be investigated. Please look at the map by pressing M. Donc apparemment, le signal de détresse qu'il récupère et appuyer sur M. C'était l'épave qui est là? C'est quoi alors le truc qu'il entend? T'as faim? J'ai faim. J'ai deux viandes que j'ai pas eu le temps de cuire. Mais tu peux pas. Tu peux pas te crafter des barres?
Des barres d'énergie, si. Vas-y, tu peux manger ça en vrai, hein, ça te remet de la santé. En fait, je dis ça, mais c'est moi qui ai faim. Faim aussi. Je peux en crafter, j'en ai encore quelques pour en faire quelques-unes si jamais il te faut. Je sais pas ce que c'est, mais on peut ramasser. Ce qui est comique, c'est qu'on ne voit pas manger. Ah! Pourtant, j'ai mangé. Pas manger. Et aller à la source du signal. Bah, on va y aller. Tant qu'on y est pour la nuit. Je me demande si c'est pas l'épave, tout simplement. Qu'on n'était pas trop censé. Enfin, on peut-être pas censé trouver tout de suite, mais on est censé y retourner après. Tant qu'à faire, autant rester dans les environs. Si on peut directement crafter nos affaires ici, à côté des ressources. Maintenant qu'on sait, je suis certaine que c'est là-bas. Je suis certaine que c'est là-bas. En plus, on a les coordonnées, donc ce sera beaucoup plus facile pour se retrouver. Mon sens de l'orientation innée, c'est-à-dire mon nez, me dit que c'est là-bas. Oui, ça me dit que c'est là-bas. Toi, t'es toujours avec ta rêve partie, là ? Toujours, je fais pas exprès, monsieur l'agent. Et ça fait pas la même chose chez moi ? Non, je te vois normalement. Ah. En vrai, on perd tellement vite de la stamina. Hop. Vivement la moto, ou pas. Ou pas, vivement les vaisseaux. Vivement le petit vaisseau. En vrai, on va marcher. On s'était pas fait la réflexion de sauter de temps en temps, ça... Ouais, c'est ça. Tu cours, tu sautes, et tu arrêtes de courir au moment où tu sautes. Ça aide un petit peu. Vite fait, hein, mais ça aide un petit peu. Ah, là il y a des trucs à ramasser. Je sais pas ce que c'est, mais je ramasse tout, ça donne de l'XP. Par contre, il fait nuit. J'espère qu'il n'y a rien qui va nous arriver dessus. Ah bah, de toute façon, on le verra pas arriver hein, si ça arrive. Un conseil, craft un deuxième portal. Quoi ? Un deuxième ? Porable ? C'est quoi un porable ? Quoi ? Hé ! Hey, il y a Leïla qui rouspète. Tu t'occupes pas de moi. C'est quoi un porable ? En français ? Ou en anglais ? C'est en français que tu parles. Je pense que tu veux dire le crafter portable. Mais à mon avis, il y a mot crafter et le T qui est parti quelque part. Portable, oui c'est possible, à mon avis t'as juste oublié un T. Tout va bien. En vrai, on a tous nos gisements qui sont ici autour, donc... ouais, c'est ça. Donc ça, c'est sympa. Mais en vrai... J'ai pas envie, même si tous mes gisements sont ici, j'ai pas envie de faire la petite base d'attente ici. Parce que on serait tellement loin, même s'il y a tous les gisements ici. Ce serait même pas une base en fait, ce serait juste crafter la machine, faire les foreuses, miner et puis après aller ailleurs. Ouais, c'est ça, je n'ai pas spécialement envie de... Mais la machine, on peut la récupérer. Oui, c'est ça. Et je me disais, au moins comme ça, on est tranquille la nuit et tout ça. On peut rester ici et miner les ressources et tout ça. Mais pff, ça vaut même pas la peine. Je pense pas que ça vaut la peine. Alors, arbre de technologie. On va partir sur... Non, pas les armes. On va partir sur... outils multifonctions. On peut le déverrouiller. Il va nous falloir... La foreuse, on peut pas. L'objet de texture, bien entendu, qu'on débloque l'objet de texture. On ne peut pas ne pas débloquer ça. Ensuite. Est-ce que... Mais Leïla, je sais bien que t'es pas bien, mais c'est pas de ma faute, je peux rien en faire, moi. C'est pas ici qu'on avait vu le... d'hiver. Constructeur portable, voilà. Débloqué, donc ça c'est bon. Hop là, crafter le constructeur portable. Attendez, on va s'éloigner un petit peu pour pas avoir le bruit du truc. Crafter le constructeur portable. On a ce qu'il nous faut.
Voilà, on va en faire qu'un pour le moment. Après, on fait là. Fais le fusil à pompe. Ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas. On a pas des PGM, on va pas avoir besoin du fusil à pompe tout de suite. La viande va se spoil bientôt aussi. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que... Avant de commencer à penser à pouvoir cuire la viande, à mon avis, on a un peu de temps. Mais dans le constructeur portable, on peut la cuire. Oui, on va regarder. Oui. On va regarder ça. Moi, il est en train de se crafter, le constructeur portable. C'est la prochaine... C'était ma quête. Alors, est-ce que, de nouveau maintenant, qu'on est en coop, on peut de nouveau plus utiliser le... Eh, on peut plus dormir, hein. Je peux pas dormir toujours, hein. C'est moche, ça, en vrai, qu'on puisse pas passer les nuits. J'avoue. Ou alors, faut que tu mettes la tienne aussi. C'est bizarre, c'est étonnant. Je l'ai posé, mais j'ai aucune option pour dormir. Moi non plus. En fait, ça fait le petit carré, tu vois, comme quand tu veux looter quelque chose, mais c'est en fait juste le carré pour que je puisse la récupérer. Left Shift F. Bizarre. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. Bon, j'ai mon constructeur portable. Je le fais. Congratulations, Commander. You have successfully completed your bit some protocol basic survival. Vous avez vu ça? Vous avez vu l'anglais? Vous avez vu l'accent? Même Leila, elle est bouche bée. Ah oui. Elle te regarde les derniers. Hein? Quoi? Laisse-moi dormir, s'il te plaît. Alors, on avait besoin de la foreuse. On avait besoin de la foreuse. Composant mécanique. Alors, on va mettre tout dedans. Hop, hop, hop. Bah, elle est là pour nous protéger, hein, de toute façon. Donc, on ne risque absolument rien. Bien entendu. Tout à fait. En même temps, si tu risques rien, c'est parce qu'il n'y a personne autour de nous. Mais c'est parce que c'est là aussi pour nous protéger, voyons. Voyons. Tout à fait. Alors, électronique et fibre optique, il va nous manquer des ressources, et je pense que c'est les mêmes ressources qu'on avait eu la poisse à galérer à faire l'autre fois, non? Fibre optique, c'est le silicium. Où est-ce qu'on avait trouvé du silicium? Je m'en souviens plus. Il me semble qu'on t'avait dit au bord de l'eau, des cailloux au bord de l'eau. Bravo, bah il casse tout. Bah, je recycle. Il y a encore des trucs dans l'armoire, hein, donc fais gaffe, hein, ne casse pas tout, hein. Je vais aller au bord de l'eau alors, essayer de chercher des ressources. En attendant, on ramasse. J'ai 8 silicone or si besoin. C'est du silicium qu'il me faut. Bah c'est ce que tu... Enfin, c'est du silicium, c'est du silicone fondu, me semble-t-il. Oui, ça c'est des trucs un peu irradiés. Bah vas-y, on va regarde si tu peux faire ton truc dedans. Si on... tu peux faire les... T'es où? Et tu as repris ton... Ben oui, je n'allais pas le laisser là. Si je m'en vais de là. Ah mais tu pars? Ben oui, je vais à l'eau chercher. Alors je te dis qu'il me faut du silicium, tu me dis il y en a près de l'eau. Ben moi je me vais près de l'eau. Par contre j'ai pas les droits pour ouvrir le constructeur. Ça. Vas-y. Nickel. Ok. Occupé par Veil. Ben voilà, ça y est. Il se croit déjà comme à la maison. Il se croit déjà comme à la maison. Mais je suis gentil, je mets des trucs dedans et tout. Il se croit déjà à la maison, vous avez vu ça? Normalement, bah, on peut le faire en vrai. Foreuse, c'est bon. Je sais pas si on pourra en faire deux de foreuse. Alors, je propose qu'on fasse une foreuse et une tronçonneuse. Parce que si je me trompe pas, c'est avec les fibres qu'on fait l'essence. Ah, j'avoue, j'ai pas pensé mes fibres. Avec du biocarburant, et le biocarburant, si je me rappelle bien, alors le biocarburant, on va le trouver où? Biocarburant, c'est là, c'est avec des fibres, oui, donc on va se faire une tronçonneuse. Pour le moment, une tronçonneuse et une foreuse. Très bien, comme ça, ça devrait aller. Comme ça, avec la tronçonneuse, on va pouvoir faire un petit peu d'essence avec la fibre qu'on a. Et on va pouvoir récupérer du bois et se faire plus de d'essence. Oui, parce que dans ce jeu, le bois se transforme en essence, en biocarburant. Pourquoi pas. Ok, on a la foreuse. Nice.
Moi je dis que c'est déjà un upgrade par rapport à la dernière fois. Hein. C'est joli. J'aime bien en fait les reflets des... Il est vraiment joli comme jeu, je trouve. C'est pas grand chose, hein, mais je trouve ça super beau. Bien fait. Alors, ça a l'air d'être calme. Occupé par veille. Voilà, ça y est, il prend ses aises. Il prend ses aises. Non, mais je lance de la nourriture parce qu'on va avoir faim. Allez, viens. Viens près de moi. Mais tu peux pas faire le tien de constructeur? Je peux pas regarder. Ah non, j'ai même pas encore mis mes points de skill. Effectivement, ce serait bien. Eh ben, bravo.